Bonjour mes amis, Bonjour bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Bon, depuis tout à l'heure, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je reviens? Parce que demain, je ne reviendrai pas. Demain, je suis occupée. Pourquoi j'ai le téléphone? Parce qu'on est dérangé, comme la dernière fois. Je crois que c'était hier matin. Voilà. Donc, il est déjà 11h21 et nous sommes le 21 mars. C'est le printemps et d'ailleurs ça se sent vraiment, il fait beau quoi, il fait doux. C'était hier matin, hier après-midi, vraiment je suis sortie, c'était hyper agréable dans les rues, hein. Vraiment. Voilà. Ne parlons plus des anges, ou alors une autre fois. Là, maintenant, je reviens pour voir un petit peu ce qui se dessine, on va dire, l'ambiance générale ou les des faits précis, on ne sait pas ce que vont sortir les cartes, pour le mois d'avril. Je suis un peu gênée de vous retrouver, puisque vous connaissez quasiment tout de ma vie. Mais on reparlera de tout ça. Et puis, je vais vous faire aussi un récit un récit exotique, voilà, de voyage. Bon, on se concentre. Bon, j'ai pris ces trois jeux pour le mois d'avril. On verra bien. De toute façon, après, il y a les voyances de la semaine. Bon, on affine. On va voir. Alors, voyez, ce mois d'avril, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo politique, en fait, sociale, politique, et sur le mois d'avril. Vous voyez, il y a un truc, je sais pas, je le sens moyen le mois d'avril. Quand j'aurai fini cette vidéo sur le mois d'avril, les pélayous, allez hop, tous les pélayous dans la machine à laver et le sèche-linge. Et demain, je suis pas là. Allez. Le mois d'avril, les cartes. Ah, bien évidemment, j'ai brassé les cartes. C'est comme je vous ai raconté une grande histoire au réveil, je ne veux pas parler. J'ai plus la force, je crois. Allez, on y va. Le mois d'avril, une petite coupe, les cartes. Petite coupe sur le mois d'avril. La cage. Et ça se trouve, il y aura des blocages. Hein. Ouais. En prise en plus. Oh, voilà. Oh, bon, la cage. Bon. Et la foudre. Alors, c'est pas la foudre, hein, c'est l'éclair. Ça veut dire que peut-être ça va arriver très vite, comme un éclair, ting-ting. Cette espèce de cage, là, de. Bah, on va être en prison, en détention, dans captivité. C'est marqué dessus, hein. C'est marqué sur l'oracle. Or, aura. Et là, j'ai de la colère. On va être enfermé dans la colère, en fait. Putain. Alors, Donald Trump, Donald Trump, on va savoir aujourd'hui. Hein. Mais vous savez, aux États-Unis, ils viennent de se réveiller. Hein, donc, il ne faut pas. Il faut attendre un peu. Hein. Comment ça va se passer? Ça fait du bruit hein, aux États-Unis. Bon, on y va. Je ne vous parle pas des États-Unis là. Je me concentre. Le mois d'avril. C'est n'importe quoi ce 49-3, cette motion de censure. À 9 voix près, autant dire personne. Bon, ça va mal. Hein. Ça va mal. Le mois d'avril 2023 en France, les cartes. Je ne sais pas comment je vais disposer mes cartes. Parce que celles-ci sont petites, mais les autres sont grandes. Je laisse un peu de place entre les cartes pour pouvoir les recouvrir éventuellement.
Il n'y a même pas d'éventuellement, des échanges, des affaires. Donc, on va parler pognon, hein, grosso modo. C'est le commerce, hein. Vous savez, je l'ai déjà sorti hier. Vous voyez le nombre de cartes qu'il y a dans ce jeu pour répondre à une question. Je ne connais pas le nombre de cartes de ce jeu. On va parler affaires, ouais. On va parler échanges. Bon, ça peut être aussi comme quand on allait chez les petits commerçants, des blablas, on parlait. Quand je faisais mon marché à Sarlat, j'allais au marché couvert de Sarlat l'hiver pour acheter mes légumes et l'été aussi. Mais l'été, il y a un grand marché dehors et on parle. Ah bah oui, on parle. Même ici à Paris, hein, vous savez, quand je fais mes courses, je parle à mes commerçants, hein. La boussole, le monde, le voyage. Partir. Alors, est-ce qu'on va parler, est-ce que ça va être quelque chose de mondial, des affaires mondiales ici, qui vont venir nous toucher en avril? La crise financière, par exemple. Et voilà, le dénuement, le manque. La perte. Je pense que ça me parle le mois d'avril, hein, ça me parle vraiment des finances, mais davantage au niveau mondial. Ben ouais. C'est-à-dire, j'ai demandé pour la France, mais là, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de cette crise financière. Bon, une crise financière, c'est forcément une crise économique sous-jacente, hein. C'est pas les banques tout à coup qui s'effondrent. Bon, là, qu'est-ce que j'ai? Des manifestations. Bah écoutez, se marquer dessus. Hein. La foule, la ville, les bâtiments. Bon, il y a des. Voilà, la population. Ok. Et ce sont des manifestations ici suivies. Donc en France, il y a la crise économique mondiale, financière, machin qui arrive. Et il y a des manifestations ici. Ce qui fait que ça expliquerait ma cage de la coupe, parce que ça se trouve, il va y avoir des blocages de transport, vous savez, des raffineries. Alors, c'est le mois d'avril. Voilà, le mois d'avril. C'est la carte du consultant. Je vais la recouvrir ici tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est un passage. Le mois d'avril, ce que ça me dit là, le pont, c'est un passage d'une situation à un autre, à une autre pendant le mois d'avril. Voilà. C'est un mois comment on appelle ça, hein? De transition. Merci. Et au milieu des manifestations, c'est un mois de transition, mais peut-être mondial. Peut-être qu'il va se passer quelque chose ici. Au niveau mondial qui toucherait l'économie. Et coup de balai. Voilà. Donc, s'il y a des changements à attendre, c'est au mois d'avril. C'est marqué ici, hein, coup de balai. Mais c'est mieux, hein, nettoyer, laver. Donc, c'est vraiment ça, hein, des manifestations. Passer d'une situation de manifestation à un coup de balai. Et le mois d'avril, il s'annonce un petit peu chaud bouillant quand même. Hein. Bon, qu'est-ce que tu as à me dire, toi, le DCK? C'est un mois de transition vers des manifs. On passe de manifs, de blocage, à ici un coup de balai. Les cartes. On y va les cartes. Allez, allez, allez. Oh ben j'en ai deux qui sortent. Non, j'en ai trois. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein. 2 minutes, je mets en pause. Eh, mort de rire, hein, c'était une pub. Bon, je l'ai envoyé balader, puis j'ai repris tranquillement. Bon, alors là, j'en ai deux de plus, je ne sais pas pourquoi. Je vais pas les mettre là parce qu'elles ont voulu sortir ici. Je les mets de côté. Hein.
Mais pourquoi, Wendy? Parce que c'est mon choix. Bon, toi, tu veux sortir, mais non, en fait. Voilà. Voilà, je te bloque. J'ai sorti tes deux copines et ça suffit. Je les recouvre toutes. On verra ce que ça raconte. Ben, c'est un mois de transition au milieu des blocages et au milieu des crises économiques. Bon, des manifestations. Ah, ben voilà. Regardez sur les affaires, sur le commerce. Il y a des gens qui sont laissés de côté. À mon avis, ce sont des jeunes. Et j'ai toujours pensé que c'était les jeunes qui allaient le plus manifester. Oh là là, la sagesse. Et voir, les chouettes, elles voient la nuit. Elles sont nyctalopes. C'est un hibou, en fait, qui scrute. Ils scrutent la nuit. Ce sont des manifestations, on ne va pas savoir où on va, là. Ben non. Il va falloir regarder, ou alors on va être surveillé de près. Ouais. Des manifestations très, très surveillées ici. Et je les mets dans ce sens-là parce que elles sont vraiment grandes, les cartes du DCK. Et ici, j'ai quoi? Ah, d'accord. Quelque chose de très rapide, de très fort, qu'on ne peut pas arrêter et qui se passe dans le monde. Dans le monde. Quelque chose qui va intervenir dans le monde de très rapide et de très fort au mois d'avril. Bon. Voyez cette perte ici, je suis vraiment, je vous l'ai dit, hein, sur une crise économique profonde, et ils vont essayer d'arranger ces pénuries-là, cette misère, le manque et les pertes, par des trucs magiques, alors, des envoûtements. En fait, ils vont mentir. Ils vont mentir. Ils vont mentir sur le coffre vide et puis ils vont essayer de mettre des rustines sur une jambe de bois, des cautères sur une jambe de bois. Parce que ça, là, ça marche pas. Hein. Ils essayent de se débrouiller avec ces pénuries, ce dénuement dans lequel est la population. Donc en fait, c'est mensonge, manipulation. Essayer d'avoir le pouvoir, mais c'est un faux pouvoir. Ce pouvoir de sorcellerie, c'est un faux pouvoir. Au bout d'un moment, ça s'effondre toujours. Toujours. Donc, toi, je t'ai retourné à une idée. Oh non, ouais. Ah, d'accord. Alors là, 2 minutes, je mets en pause. C'est n'importe quoi d'être dérangé sans arrêt comme ça. Bon, bref. Donc. Ouais, mon mois d'avril est une idée pour franchir ici les manifestations, le fait de scruter, ça va leur de surveiller, ça va leur donner une idée pour passer à autre chose, quitter les manifestations. Ils vont avoir une idée pour passer à autre chose, vers le nettoyage, où nous, hein, ici, nous allons vraiment surveiller les pouvoirs. Avoir une idée pour franchir les obstacles et passer à autre chose. Et donc, en nettoyant la situation. Regardez les nouvelles. Un coup de balai, on va apprendre quelque chose qui. Écoutez, vraiment, entre le pont et le coup de balai et les nouvelles, on va vraiment apprendre quelque chose qui va faire que. On va quitter les manifestations pour autre chose. On va avoir une autre idée. Vraiment, hein. Une autre idée. Mais ça va être chaud, hein. Ça va être très chaud. Là, j'ai vraiment une crise économique très très forte qui vient balayer le monde, qui vient inquiéter le monde. Et là, on passe de manifestation à une idée qui va faire son chemin pour changer les situations. En France, en France.
voyez là, j'ai quand même cette crise économique qui va balayer, qui va vraiment changer la situation, hein, du gouvernement. Hein. Il va y avoir du changement parce que la crise économique, elle est financière, est trop puissante ici. Donc, tu auras beau manifester, tout à coup, les gens vont avoir une idée. Une idée pour changer les choses. Bon, bah, du coup, toi, je te prends pas. Voilà. J'aime pas quand les cartes sautent. Je sais pas si vous y verrez quelque chose. La fuite. Alors, est-ce que c'est Pépère qui... c'est la punition. On fuit la punition. On ne veut pas être touché par cette crise financière. Et puis, c'est peut-être Macron qui fuit sa punition. Hein. Allez, hop. Réunir les deux opposés. Réunir les opposés. Et lutter. Lutter pour libérer Jérusalem, hein, c'est un chevalier. C'est un croisé. On va dire donc. Il va certainement falloir lutter. Elle passera pas cette réforme des retraites, hein. Même si elle est votée par le 49-3. Hein. Éclairez-moi cette réunion des opposés. Ah ben tiens, faire comme ça. Hein. Oh. Je me suis coupé les ongles dans mon bain tout à l'heure. Et ils sont vraiment très courts. Je raconte vraiment ma vie. Intime. Est-ce que c'est Macron, ça? Allez, évolution, transformation. Là, tu as fait une bêtise, hein, et tu veux pas supporter la punition qui suit ta bêtise. Volte-face, hein. Revirement, changement. Et elles sont concordantes, hein, ces cartes. Lui, il évolue, hein, il se tire, voilà. Il y a une évolution. Il y a un changement. Hein. La réunion des opposés. Pour faire face, hein, parce que le savoir, à quoi ça sert? Ça sert à faire face. Une réunion des opposés pour faire face, à mon avis, à cette réforme des retraites. Là. Moi, je vous assure, elle ne passera pas, cette réforme. En tout cas, je ne le sens pas. Voilà. Et là, j'ai quand même encore une carte. Se libérer, hein, libérer Jérusalem, mais se libérer, lutter pour se libérer en avril. C'est musclé, hein, le mois d'avril. C'est pour ça que je voulais pas faire le tirage. Hein. Et là, encore une fois, j'ai dialogué, bavardé avec ces nouvelles. Alors, ce sont des nouvelles de lutte, de nettoyage de la situation, ce qui me fait dire que cette réforme des retraites, y a quand même cette lutte, hein, qui est partout, hein, dans le tirage, notamment ici. Hein. Voilà. Et puis aussi, attention, ici, hein, il faut passer cette période. Et il y a une lutte, j'ai de la lutte partout. Et là, j'ai de la communication. Mais c'est quand même ici se débarrasser de cette loi. Hein. Bon, je vais vous laisser. Voilà ce que un premier jet, hein, de toute façon, c'est un premier jet.
peu à peu, on va peu à peu, on va approfondir ensemble la situation. Mais ce mois d'avril, moi, je le sens pas, hein, c'est ça va être remuant. Je vous assure, hein, j'ai ce sentiment. Alors, ça, c'est pas dans les cartes. J'ai ce sentiment-là. Enfin, c'est pas dans les cartes. Ben, si, c'est dans les cartes aussi. J'ai le sentiment que ça va être très dur le mois d'avril. Ça va être très. Beaucoup d'affrontements. Voilà. Et à la fin, quand même, dans les cartes, j'ai cette espèce de soulagement. Bon, il faut que je rappelle. Donc, je vous laisse. Je suis désolée, je finis en queue de poisson. Mais bon, vous aurez compris, quoi. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Faites bien attention à vous, mes amis. Il faut garder des forces pour le mois d'avril. Gros bisous.